Et bonjour à toutes et à tous, le Signe Noir, on se retrouve pour une découverte de Space Prison qui sort aujourd'hui au moment où cette vidéo est publiée puisque l'embargo se termine à peu près au même moment. Qu'est-ce que c'est que Space Prison? C'est un jeu qui est édité par FireSquid, les mêmes qui font USC Counterforce, mais le gameplay est un peu différent. C'est un jeu de tactique slash construction de gang. Ils insistent pas mal sur le fait que c'est pas un roguelite. Parce que en fait il y a un mécanisme qui fait qu'on ne repart pas de zéro. Mais il y a quand même un petit peu de ça, vous verrez, il y a un petit peu dungeon crawling, RPG, c'est un mix assez sympathique. Le principe c'est que vous êtes un détenu envoyé dans une prison, et votre objectif ne va pas être forcément de vous échapper, puisque la prison globalement c'est une prison dans l'espace. Vous avez un collier autour de votre cou qui fait que quand vous mourrez, et ben ça sauvegarde vos données et la prison vous clone, puis vous réinjecte dans votre clone pour que vous continuez à purger votre peine. Donc on n'est pas sur de la prison pour piou-piou, s'en évader est extrêmement difficile. C'est possiblement un des objectifs, une des réussites du jeu, mais l'objectif principal ça va être de monter vos ressources, améliorer votre cellule, tout en faisant des quêtes pour les autres prisonniers et monter du coup votre gang, faire en sorte que les prisonniers vous apprécient assez pour les recruter et monter votre gang, sachant que bien sûr il y a déjà des gangs bien établis dans la prison qui ne vont pas forcément vous laisser faire, ou que vous pouvez rejoindre pour essayer de devenir calife à la place du calife. Le jeu est franchement assez sympathique et graphiquement très plaisant. Donc comme je l'indiquais, hein, il va coûter 20€ à la sortie avec probablement une petite promo de 5-10% sur la sortie, je n'ai pas exactement ce chiffre encore malheureusement. Il est en français, c'est une bonne surprise parce que c'était pas prévu, mais il est bien en français si jamais vous l'avez whitelisté et que vous hésitiez, il est en français. C'est un jeu solo comme la plupart des roguelites du genre, il n'est pas compatible manette officiellement, même si je pense que le support doit pouvoir cliquer avec les boutons sur la manette, il n'y a pas vraiment de gros mouvements très compliqués. On va tout de suite regarder ce que ça donne. Donc on a un mode collier brisé qui est un système de mort permanente hein, dans le jeu, dans le lore. Il peut arriver pendant les combats que votre collier soit brisé et dans ce cas-là, vous êtes mort. C'est considéré comme une chance dans le jeu puisque c'est le seul moyen connu de vraiment échapper à la prison, c'est-à-dire de mourir définitivement et d'échapper à sa peine. Il faut finir le mode normal pour pouvoir y arriver, donc nous on va partir en mode normal. Alors le jeu présente pour le moment trois races, les humains, les ferrats et les nex, qui comme vous pouvez le voir ont quand même quelques caractéristiques différentes. Hein. Bon, les humains assez classiques, équilibrés, 3 points d'action, 80 PV, 60 d'espoir, initiative correcte. Les ferrats, comme on s'y attend, beaucoup plus forts, moins d'initiative par contre, seulement 2 points d'action, ça peut être gênant. Et les Nex, qui sont un peu des ingés, hein, pas mal d'initiatives, relativement solides quand même, et avec des caractéristiques différentes pour chaque race. Donc l'humain a œil pour œil, la première fois qu'il prend une attaque, il renvoie 50% des dégâts. Lui est immunisé à repousser, à tirer, ce qui peut être vraiment pas mal. Vous verrez que les combats se passent en tour par tour sur une espèce de grille en face à face, on peut conquérir le territoire de l'ennemi. Et eux ont plané qui permet d'éviter les terrains accidentés, ce qui peut être aussi excellent hein, pour éviter, il y a régulièrement dans les combats des trucs explosifs, des déchets qui traînent qui peuvent vous empoisonner, ce genre de choses quand vous marchez dessus. Et ils ont chacun une compétence de combat. Donc ici une télékinésie qui permet d'attirer, de faire des dégâts, d'attirer puis de repousser, c'est rigolo. Ici une charge qui permet d'avancer et de faire 8 de dégâts avec 35% de chance de paralyser, mais 4 de dégâts pour soi-même. Ok, donc faire attention. Et la compétence de l'humain que je trouve franchement pas mal, hein, qui permet de se déplacer où on veut, donc c'est pas forcément avancer, reculer et tout, là c'est vraiment un mouvement libre. Et au prochain tour, on gagne 2 PA, ce qui est très fort, on passe à 5, et en plus ça nous donne 3 d'armure. Je pense que je prendrai un humain pour la démo. Et une fois qu'on a choisi notre race, on peut choisir notre crime, la raison pour laquelle on a été envoyé dans cette prison. Et chaque crime va avoir un avantage et un inconvénient. Par exemple, le trafiquant... on commence notre peine avec un emplacement de combat supplémentaire et un objet aléatoire. Par contre, on reçoit 50% de dégâts des aléas, donc des trucs qui peuvent arriver dans le donjon, entre guillemets, enfin quand vous baladez dans les couloirs, parce que vous avez des réflexes lents. A l'inverse, si on est assassin, on est pour le coup très rapide. Si on attaque après un mouvement, on fait 30% de dégâts, ce qui peut être pas mal avec un humain, hein, vu qu'on va utiliser ça quasiment à chaque tour. Par contre, on est fataliste, on gagne moins d'espoir. Donc il y a différentes
différents crimes, voilà, pardon, j'avais perdu le mot, excusez-moi, différents crimes comme ça qu'on peut choisir. Et tous les prisonniers qu'on va rencontrer dans le jeu vont bien entendu avoir une espèce et un crime qui va permettre de construire une équipe potentiellement intéressante ou pas. On a aussi la possibilité, normalement, voilà, avec le saboteur, de jouer rat. Vous verrez qu'on peut apprivoiser des rats dans le jeu pour combattre avec nous. C'est d'ailleurs les premiers combattants qu'on peut récupérer pour avoir une équipe à peu près viable au début et tankée à notre place, quoi. Et donc lui est spécialisé pour les rats, donc moins 20 de PV max, ce qui est quand même pas mal, hein. Par contre, du coup, nos rats ont des emplacements de combat supplémentaires, car oui, on peut équiper nos rats d'objets spéciaux pour aller construire des choses et les équiper. On va partir, bah tiens, sur le saboteur, pourquoi pas. On va s'appeler Ripley pour ce premier combat, pour cette première run. On va s'appeler le Signe, bien sûr. Nous sommes le Signe Noir, le saboteur. C'est parti, on commence la peine. Je vous laisse la petite cinématique. La procédure standard. Chaque détenu en porte un. C'est vraiment serré. S'ils les mettent, c'est que nous sommes bientôt à la prison. Chut. Ça, c'est un gardien. Là, le centre pénitentiaire du Cyclope. On dirait surtout la bite d'un Zolgronien. Ok, fantastique. Donc la fameuse Space Prison, où on va passer le reste de nos nombreuses vies. Il paraît que personne ne s'est jamais enfui. Elle est remplie des pires enfoirés de la galaxie et de plein d'autres saloperies cosmiques qui peuvent te tuer. Heureusement, les gardiens ont le contrôle. Parlons de gardien. Gardien, mon collier est vraiment serré et... Ok, ça c'est fait. Ne pas contrarier les gardiens. Qu'est-ce que tu regardes, détenu? Bim! Le coup de poing dans la mouille. Bienvenue à Space Prison, ça l'aura. L'ambiance est donnée, hein. On n'est pas là pour des vacances. Alors quand j'ai fait mes tests, il était encore en anglais, puisque je l'ai eu un peu en avant-première. Donc c'est cool qu'ils aient pu sortir le français. Ok, donc du coup, nous voilà dans notre prison. Donc voilà comment le gameplay va se passer pour les phases hors combat, tout du moins. On a notre petit personnage, on peut se balader. Bon bah là pour le moment, on doit s'enregistrer. Donc rien de... on va avoir nos quêtes éventuellement ici. On peut lui parler. Dégage, ordure. Alors on peut commencer par obéir ou par le défier. On va obéir. Vu que si on les défiait, surtout en étant à poil, ça marchait pas trop. Alors l'ambiance est vachement sympa, c'est la prison est gérée par une espèce de mi-machine, mi-alien zarbi. Donc par exemple ça c'est les espèces de contrôleurs de porte qui vont surveiller ce que vous faites, etc. Suivant. Numéro 537, c'est ça. En accord avec la section 367, paragraphe 1017 du règlement de Space Prison, les détenus doivent déposer tous leurs effets personnels avant d'entrer dans l'établissement. Alors, on peut essayer de passer quelqu'un en douce. Quelque chose en douce. Vite tes poches et pose tes affaires sur le comptoir. Alors, on a la médaille du sergent Zik. Cette balle était destinée après le sacrifice de votre frère. Vous êtes la seule chose qui reste à vos parents. Ces derniers mots méritent-là résonnent dans votre esprit. Votre amour a commencé sur cette plage. Vos regards se sont croisés. Il y a une note griffonnée au dos. On aura toujours Parvos. Ou alors, monsieur câlin, votre fille voulait que vous ayez quelqu'un avec qui prendre le thé pendant votre absence. Vous souvenez du câlin avec elle au toucher du tissu. On va essayer de passer monsieur câlin, bien sûr. Ah voilà, numéro 537, deux objets déposés. Voilà un matelas classique pour ta cellule. Signe le formulaire de déposition ici. Et ici. Et aussi ici, et ici, et là. Bravo, tu as renoncé à tous tes droits en tant qu'alien. C'est que j'aime la bureaucratie. Tu as rendez-vous avec le GRDEN. Dépêche-toi. Suivant. Alors c'était le WRDEN en anglais. Je me demande comment ils l'ont renommé. Donc du coup, on va retrouver en bas nos différents emplacements. Donc les emplacements jaunes sont les emplacements secrets qui nous permettent de ne pas être détectés par des scanners. Donc en gros, on a des objets de combat, une armure, en gros des freins, hein, et une arme. Et un emplacement secret où on peut mettre un objet n'importe lequel, mais on doit choisir. Tous les autres là peuvent être potentiellement détectés par le scanner et nous être pris par des gardiens et nous valoir éventuellement des punitions s'ils sont illégaux.
Donc les objets illégaux auront un fond orange comme ça. Et on pourra en mettre qu'un seul ici. Donc il va falloir qu'on fasse un peu gaffe de ce qu'on fait. Il y a notre inventaire. Hop, on accepte le scan. C'est parti. Les ressources les plus importantes sont la faim et l'espoir. Mettez-les à un niveau élevé pour bénéficier d'avantages et vous les laissez baisser sous peine de subir des effets négatifs. Donc ça y est, on a nos PV. Donc là, on a 60 PV parce qu'on avait 80 moins 20. Vu qu'on est au saboteur, on a notre faim. Donc on voit les différents bonus qu'on va pouvoir potentiellement avoir. Pour le moment, on est alimenté, on fait 15 de dégâts en plus. Et on a notre espoir, qui est en gros, littéralement notre espoir, comment on se sent dans la prison, notre morale, qu'il va falloir également essayer de garder haut. Alors, il y a encore quelques petits bugs, sachant que je suis encore sur la version avant la sortie. Hein, donc les petits problèmes de localisation, je pense, seront réglés d'ici quelques heures. Ils n'ont pas détecté Monsieur Calin pour le moment. Excellent. Ok, il y a machin qui nous a ouvert la porte. Allons-y. Alors effectivement, hein, ces deux ressources-là sont les plus critiques parce que la santé se recharge. Alors la santé est critique dans le sens où si vous n'en avez plus, vous mourrez. Mais comme ils le disent, à moins que ce soit vraiment une mort permanente, vous êtes réinjecté dans un de vos clones si vous mourrez. Et en plus, vous pouvez assez facilement la récupérer en dormant chaque nuit puisque le jeu va fonctionner en journée. Alors que la faim et l'espoir, il faut trouver des moyens pour pouvoir la remonter. Et ce qui n'est pas forcément simple. Voici le GRDEN. Salutations 537. Je suis un garde artificiel régulateur désigné ingénieusement pour l'exécution et les normes. Ah, la traduction est très très bonne. Mais on m'appelle le gardien. Tu as été coupable d'un excès de vitesse en hyperespace. D'après la gravité de ton crime, la punition sera de 150 ans. Ah oui. Ah, le crime de merde quoi. Mais c'est plus qu'une vie. La justice ne fait pas de cadeaux. Ta punition a été calculée pour assurer l'ordre public. Tu finiras par le comprendre. Est-ce que tu comprends ton nouveau statut d'identification ? Comme réclusionnaire de cet endroit ? Je suis numéro 537. Statut du réquisitionnaire réceptif. Si seulement vous acceptiez tous votre sort ici aussi facilement. N'oublie pas que toute tentative d'évasion de l'établissement est strictement interdite et fera l'objet de graves sanctions. Bienvenue à Space Prison 537. Nous espérons que tu aimeras ton séjour. Alors dans mon test... j'avais répondu « Je suis le signe noir » et il m'avait dit « Oui, ce n'est pas inhabituel que les détenus soient rétifs, comme le prouve le fait que tu as essayé de passer en douce, Monsieur Calin. » Mais tu apprendras, tu apprendras. C'est parti. Là, normalement, on va pouvoir accéder à notre cellule. Alors, faut avoir la souris un peu partout parce qu'il va régulièrement y avoir des objets avec lesquels on peut interagir. Où crois-tu aller, Vermine? Ta cellule est juste là. Jugée par l'odeur, elle a besoin de nettoyage, mais c'est ton problème. Prends ce matelas crasseux et dehors. Je ne veux pas entendre un bruit qui vient de cette cellule cette nuit. Compris? On obéit. Et donc, nous voilà dans notre cellule. Donc on voit qu'effectivement, elle est un peu crade. Il y a plein de trucs avec lesquels on va pouvoir interagir. Et on a un premier combat ici. On doit construire notre lit avec notre matelas. Et il y a un petit rat qui nous en empêche. Mais ici, on peut récupérer un champatate. Prenons le cham patate. Ça nous permet de débloquer l'étagère de souvenirs, mais il va falloir un tournevis rouillé ou un tournevis chromé pour s'en occuper. Ici un petit biche rouillé, ici aussi. Il va falloir qu'on... L'un de nos premiers objectifs, de toute façon, va être de construire notre atelier pour pouvoir construire éventuellement des pieds de biche, justement. Mais avant, le combat. Alors, le combat, donc ça c'est le premier combat, on va... Se montrer un petit peu le truc. Donc pour le moment on peut pas se déployer. À terme on aura moyen de se poser dans les cases qu'on veut, déployer nos différents membres d'équipe où on veut. Mais là on va combattre en mode basique. Donc il nous attaque. Donc il nous a fait 4 de dégâts. Alors, je vais passer le tutoriel vu que je les connais. Je vais vous expliquer moi-même. Donc là il s'est déplacé, je sais pas si vous avez vu, c'était assez rapide. Il a repris cette zone qui nous appartenait, qui était bleue. Et il nous a fait une attaque à 2 de distance qui nous met du saignement. Et comme on est un humain, la première attaque qu'on prend, on renvoie 50% des dégâts, donc on lui a fait 2 PV au passage. Donc pour le moment, on n'a pas trop le choix, on va devoir faire le point. Donc le point, il nous fait avancer et il fait 3 de dégâts. Donc on doit choisir une case. Toutes les cases qui sont autour sont considérées comme adjacentes.
Non, même pas. C'est adjacent de colonne, pardon. Donc si je me mets là, normalement je peux l'attaquer quand même. Ouais, voilà, c'est ça. La portée de l'effet est seulement comptée horizontalement, c'est ça. Donc cette case là, ces deux cases là sont adjacentes, mais mon attaque peut quand même porter jusque là. Donc là par exemple, on va pouvoir utiliser pour un point d'action supplémentaire ce petit truc là qui nous permet de nous replacer où on veut. On va se mettre en face de lui. On gagne 3 d'armure direct et au prochain tour on aura 2 PA. Et on va lui mettre du coup un petit coup de poing. Voilà. Il a tapé dans notre armure, ce qui est excellent. Et là on a 5 points d'action, hein, ce qui est très fort. On va pouvoir lui mettre un gros coup. Voilà. Le gros coup de poing et on récupère de la viande de rat. On prend bien sûr. Et on va fabriquer notre lit. On a perdu ça, donc on a notre petite viande de rat qu'on pourra éventuellement cuisiner. 25% de chance de remporter de la maladie si on la bouffe comme ça. On a également maintenant notre monnaie de la prison qui va nous permettre de faire diverses choses et notamment d'acheter de la bouffe puisque bah, même si on est dans une prison, il faut qu'on la paye notre bouffe. On a accès à notre équipe, pour l'instant il n'y a que nous. À terme on aura plusieurs personnes. Le commandement ici ne gère pas la taille de notre équipe. On peut avoir a priori autant de membres qu'on veut. Ça ne gère que le nombre qu'on peut déployer sur le combat. C'est-à-dire que vous verrez, chaque membre de l'équipe a un coup de commandement à l'exception de nous et on doit payer en commandement pour les déployer. Et on a pour le moment deux gangs normalement, voilà les points quantiques et hypernova, donc qui ont chacun des grades différents. Et ceux qui sont de grade au moins 2 ne voudront pas nous parler au début. Par contre on pourra essayer d'interagir avec les piou-piou pour essayer de gagner de la réputation avec eux et de s'entendre bien. Assez vite, hein, je crois jour 2 ou 3, les chefs vont venir nous parler pour nous proposer de faire des quêtes pour les rejoindre. On n'est pas obligé de le faire a priori. Mais du coup, la première chose à faire c'est de dormir. Alors le dormir nous rend 20 PV et nous fait baisser l'espoir. Tu atterris dans la prison la plus rude de la galaxie. T'es un vermisseau, alors tu dois apprendre les ficelles du métier par toi-même. Personne ne te tiendra la main. Tu devrais faire attention que tant que tu n'as pas rejoint un gang où tu finiras à la morgue plus vite que tu ne le penses. Et c'est parti. Donc notre premier objectif en ce jour 1 va être d'essayer de trouver des choses pour nous aider. Donc là déjà, on a chopé un pouls de l'espace. Je crois que c'est en dormant dans notre lit qu'on chope ça. Ouais, gain pouls de l'espace. Donc moins 20 de relation tant que notre matelas est tout pourrave. Alors, chaque jour, on peut récupérer le magazine de merde du jour. Voilà. c'est gratos et c'est l'un des rares trucs gratos. Après, on va pouvoir fouiller des poubelles, mais ça va nous coûter de l'espoir. On pourra éventuellement ramasser des trucs par terre, piller les morts, ce genre de choses. Mais prendre ce petit téléporteur. Ok, alors ici... Là c'est tout cassé pour le moment, on ne peut pas parler. Il y a une rougeur sur ma poche secrète. Cette zone est interdite aux merdes sans gang comme toi. Nos membres règlent leurs différences. Tu veux vivre, tu feras mieux de partir. Donc là on a les deux emplacements de gang qui sont fermés pour le moment. Alors normalement on est censé pouvoir faire notre propre gang, hein, mais je sais pas si c'est encore implémenté ou si c'était une erreur de traduction de ma part. Ici on pourra passer quand on aura un pied de biche rouillé. Alors l'ambiance est vraiment super cool hein, avec les mecs partout là en mode secours. Donc là j'ai fouillé la poubelle, ça m'a donné un petit peu de ferraille mais ça nous fait perdre de l'espoir. On a une chance de perdre de l'espoir, je crois qu'on en a pas perdu en l'occurrence. Eh bien qui voilà, bienvenue dans mon coin de l'enfer. Alors t'es le nouveau vermisseau, tu peux me rendre un service. Kansas du gang des points quantiques. Donc on va pouvoir avoir des détails sur tous les détenus. Il y a des détenus qui font partie des gangs et d'autres qui ne font pas partie de gangs. A chaque fois, on va avoir une espèce, un crime bien sûr, son emplacement, la relation. Et du coup, des avantages qu'on va avoir au fur et à mesure qu'on s'entend avec elle. Et éventuellement, si on s'entend suffisamment, on va pouvoir faire du commerce. Pour s'entendre, il va falloir faire des quêtes. Ou leur offrir des choses. Il va falloir leur offrir de la bouffe, ça marche très bien par exemple. Et pour débloquer toutes ces choses-là, il va falloir qu'on récupère de l'info.
Et l'info, on peut l'obtenir soit en piratant des terminaux, donc ça c'est un niveau déjà un peu avancé, soit éventuellement en papotant avec certains prisonniers. Juste derrière, par exemple, cette porte, la grosse porte qu'on a vue là où il fallait ouvrir avec un pied de biche, il y a un espèce de détenu géant qu'on peut amadouer qui nous file des infos, qui est là de genre le détenu qui est là depuis des siècles quoi. Et la première quête, hein, qui est la quête tuto, il faut qu'on apporte le burger de Kansas, le burger spécial du chef. Les couloirs changent tous les jours, comme les sentiers de la jungle marveillienne. Ils ne veulent pas qu'on planifie une évasion, comme si on pouvait se barrer. Tu sais, en te regardant bien, je crois que ce burger va avoir besoin de sécurité. Tiens, prends mon rat, connais 2-3 trucs. Te fais pas tuer, j'ai besoin de ce burger aujourd'hui. Donc du coup, elle nous file un rat qui va nous rejoindre. Un petit rat novice de type rat, 25 PV, 0 d'armure, ça d'initiative assez rapide. Pour l'instant, il a aucun équipement. Et du coup, comme on est un saboteur, nos rats peuvent porter 3 objets de combat au lieu de 2. Encore faut-il en avoir. Et ils ont le barrage à pointe qui, du coup, lance des épines, 2 à 3 de dégâts à 3 de portée, mais sur toute une ligne. Ça, c'est plutôt cool. Une fois par tour. Et on voit en bas gagner 3 combats de plus pour améliorer cette compétence. Plus on se sert des compétences en combat, en tout cas celles de nos alliés, parce que nous, pour le moment, on va devoir porter des armes, etc. On peut pas, on n'a pas de compétences qui va pouvoir monter de niveau. Plus les compétences vont s'améliorer. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et on peut bien sûr renommer le rat si on le souhaite. Pour le moment, je vais le laisser appeler comme ça. Et du coup maintenant on a une quête, obtenir burger du bandit auprès du chef au réfectoire. Et donc là voilà, on va être dans la partie un petit peu plus donjon crawling slash roguelike du jeu, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on choisisse notre chemin pour aller au réfectoire. D'ailleurs on voit qu'il y a des diverses choses ici, cuisine, vie d'ordure, un tas de détenus qui sont là. Pour l'instant la salle de bain, l'infirmerie sont bloquées, sans parler des trucs encore plus loin. Alors, il faut savoir que le chemin, on peut le prendre dans n'importe quel sens. C'est-à-dire que contrairement à la plupart des jeux style, si vous êtes arrivé là, vous pouvez tout à fait décider de faire demi-tour. Donc, on peut faire tous les événements sur le chemin si on le souhaite. Et si on en est en état surtout, parce que les combats peuvent être quand même assez compliqués. Ici, on voit qu'on a un combat de difficulté 2 direct. On va plutôt partir par là. Voir un petit peu ce qu'on a. Un couloir de type lambda, mais avec des choses à ramasser. Un peu de ferraille ici, là il y a un œil qui nous surveille. Mon avocat a trouvé une faille dans mon jugement pour violation, tu sais ce que ça veut dire? Jouer au bon samaritain, ça aide et je vais bénéficier de l'holophone, faut juste que je mette les mains sur l'appareil. Ah, bah du coup, on a que dalle, si on était trafiquant, ou si on avait un peu de sous, une pièce électrique ou un receleur, on aurait pu répondre, mais là on ne peut pas l'aider. Du coup, il nous aime moins, cash, eh bah dis donc, c'est. Simple et efficace. Désolé, on a un piou-piou, monsieur. Hein. Ok, on peut fouiller là, trouver un peu de ferraille. Et on sort du bois. Alors, ici, on a spécial. C'est un truc spécial. On va aller voir le truc spécial, pourquoi pas. Ah, on pourrait acheter de la pâte calorique ou du sucre gélifié pour 4 ou 8. C'est hyper cher, quoi. Et on a une petite poubelle. J'ai l'impression qu'ils ont enlevé. Avant, il y avait moins d'eau d'espoir quand on fouillait les poubelles. J'ai l'impression que ça a disparu. C'est peut-être un petit peu trop hard. Et cette fois, alors vous voyez, hein, je peux revenir en arrière sur ce combat, mais on va décider d'avancer. On va aller faire le combat. Donc ça y est, vous voyez maintenant, on peut se déployer partout. On a un aperçu. Ici, il va y avoir un truc au sol. Ici, il va y avoir un truc au sol. Lui, se déployer comme ça. Et notre petit rat novice ne coûte qu'un de commandement. Donc on va le déployer. Derrière nous. C'est parti, ce qui est quand même un peu plus fragile. Mais il a une très bonne initiative. Alors, ce truc-là, c'est quoi? Je peux pas savoir pour le moment. Ça a l'air d'être un objet. Ah si, il y a un petit truc là, pardon. Colonie de champignons toxiques. Lors de la destruction, 2 dégâts, 3 de poison, apparition d'une flaque toxique, zone d'explosion, une colonne. Colonne, ligne. Colonne, ligne, ouais, ça va être ça. Et ça, c'est quoi? En entrant 3 poisons, début du tour, 3 poisons. Ok, donc on va éviter ça à tout prix. On va lui cracher dessus à lui. Voilà, commencer à attaquer un peu son armure. Et du coup, on peut avancer et faire du saignement. On avance.
Il a une belle armure, hein, l'enfoiré. Ok, donc il m'attaque moi. Et après, il se barre, il prend de l'armure. Je vois. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déplacer. On peut totalement échanger de place avec nos potes. Hein. On fait la préparation. Et derrière, on va mettre un gros coup de poing là. Boum. Voilà, comme ça, ça explose. Et lui, ça lui fait un petit peu de dégâts. Du coup, ça devient une flaque toxique qui se détruira dans 2 tours. Parfait. On va rajouter une petite stack. Non, ça fait pas de saignement. C'est ce truc là qui fait saignement. On va attaquer là. Ah oui, je peux pas avancer avec ça. Donc je peux pas me déplacer. Je peux vraiment que avancer. On lui a mis 3 de saignement. 3 de poison, 1 de saignement, pardon. C'est quand même pas dégueulasse. On attaque. Parfait. On va refaire une petite préparation pour être prêt. Et là, il faut qu'on défonce son armure. Il est temps. Alors, on peut repousser avec lui. On peut mettre du saignement vu qu'il a plus d'armure. Ça, c'est pareil. Il me semblait que ça mettait du poison dans le tuto, enfin dans ma première version. C'est pour ça que je l'ai utilisé au départ, mais ça ne l'a pas fait. On va mettre un petit peu de saignement. Voilà. Ouh, il a envoyé le mec derrière, blessure. Chaque blessure augmente les dégâts de 1. Fait que seulement les dégâts directs retirés après le combat. D'accord. Bon. Il va mettre 2 gros coups de poing, ça devrait suffire à le finir. Voilà. Excellent. On gagne de la viande de croqueur. De la langue de croqueur, qui là pour le coup est un matériau. Et on gagne une pile de crédits qui va nous donner entre 2 et 4 balles. Donc ça c'est un objet à utiliser, vous voyez, il y a un petit clic avant ou à droite, comme la viande d'ailleurs. Mais de base il vient là. Donc, je vais l'utiliser tout de suite pour éviter que ça prenne trop de place. Et on a eu que 2, bah, on a eu que 2, tant pis. Bah, on va avancer, je vais pas faire d'autres combats, même si techniquement il faudrait probablement le faire. Mais l'objectif c'est de vous montrer un petit peu à quoi ressemble le jeu. Nous voilà arrivés à la cuisine, un endroit important. Donc ici, carte d'accès aux zones réglementées, très bien. Donc là on a Boom Boom Moretti, niveau 3, si on lui parle elle va nous envoyer chier, voilà. Ça c'est un détenu lambda, on peut le combattre ou on peut l'embaucher pour 12 balles et il nous suivra à vie. On va en rencontrer régulièrement. Ici on a la possibilité de cuisiner la viande de croqueur en croqueur rôti qui du coup ne donnera plus de chance d'être malade. Et pareil, cuisiner la viande de rat. Mais avant, on va voir si on peut pas en faire quelque chose. Ici, il y a un petit rat, on peut lui filer une champatate. Et du coup, il sort. Et on peut récupérer un rat bonus. Voilà, on a 2 rats. Excellent. Là, c'est pareil. Un mec qu'on peut éventuellement recruter ou combattre. On a le droit de passer par là. Ici, il y a un truc. Ah oui, c'est pour sortir. Ok, pardon. On peut passer, pas de soucis. On n'a pas de. Donc, ça, c'est des trucs qui peuvent éventuellement détecter nos objets illégaux, hein, si on les a. Ici, il faudrait une clé à molette pour réparer ça. C'est cassé. Là, un mec à recruter. Ici, un mec level 3. Alors, les gardiens, vous voyez, ont des zones de vision. Si on fait des choses illégales dans leur zone de vision, bien sûr, ils n'apprécient pas. Ici, on peut prendre une fourchette. C'est gratos. On prend une petite fourchette à la place de nos poings. Fourchette qui va donc faire du saignement. Excellent. Pardon monsieur, excusez-moi, ça c'est du niveau 3, il vaudra pas nous parler. Les trucs sont vides malheureusement. Ici on peut récupérer des déchets alimentaires, allons-y. Et une petite chambre patate, allons-y également. Là on peut lui vendre donc des trucs pas cuits. Attention, si je les avais cuits je pourrais pas lui vendre. Eux ils veulent pas nous parler. Ah, ici on a une petite poubelle pleine. Et là, on a un vide ordure, on peut lui mettre un cœur de tank croqueur, si on en avait un. Ok, donc là, par exemple, on peut se faire un petit peu de sous en vendant, par exemple, notre viande de rat. On va cuisiner le reste, je pense. Ici, on a quoi? On peut y aller, là? Ok, on peut y aller. Alors là, attention, on voit qu'ici, il y a un truc qui nous surveille. Donc cette zone-là ne peut pas être passée. Si elle est passée, on va se prendre une petite fessée. Et ici, on peut cuisiner des trucs un peu plus intéressants. Donc, 2 champs de patates et 2 déchets alimentaires, ça fait un champitaco qui donne 15 de faim.
Pas mal. 5 déchets alimentaires, ça donne des restes. Viande de croqueur, sucre gélifié, déchets alimentaires, ça donne un repas. Et ici, on pourrait avoir un pudding visqueux. Ok. Ici, il y a de nouveau un rat. On va filer de la chambre patate. On va se faire une petite armée de rats, puisqu'on est censé être fort avec les rats. Ici, on peut construire une planque secrète, hein, ce qui peut être intéressant pour pouvoir mettre des trucs un peu cachés. On va pouvoir en faire un peu partout dans la prison. Là, on peut acheter de la bouffe. On peut prendre un petit cristal épicé ici. Les objets avec un fond orange sont classés comme de la contrebande. Donc là, par exemple, on met ça dans notre petit emplacement de contrebande. Et donc lui, il faudrait qu'on puisse le pirater si on voulait passer dans cette zone. Ou éventuellement qu'on ait un job qui nous autorise à y aller. Hein. Un truc de cuisinier, visiblement. On va aller chercher le burger de Kansas. T'es là pour goûter nos spécialités. T'attends pas de la qualité. La bouffe est pire que le cul d'un korak, mais c'est selon la réglementation. On vient pour Kansas. Ouais, voilà ce fichu truc. Ne le laisse pas entre de mauvaises mains. La garniture est spéciale. C'est pas juste de la viande et du pain, tu vois. Y a quoi dedans? Pose encore des questions, il y aura ton nez éclaté dedans. Très bien. Bien, t'as un repas gratuit pour cette fois, considère ça comme un deal pour fermer ta bouche. Mais attention, 537, c'est fini la bouffe gratos, si t'as la dalle, tu payes, comme tout le monde. Il se trouve pas comme ça, c'est le bloc des cellules la nuit, comme les autres. Maintenant bouge, ce burger tente le destin. Donc on a un repas et le burger du bandit. 25 de faim, 15 de PV et 5 d'espoir. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ici, il y a des petits déchets que j'avais pas vus, on va les prendre. Et on va aller rendre la quête. C'est ici la sortie. Donc on peut tout simplement prendre le même chemin qu'à l'aller pour éviter tous les combats, si on le souhaite. Ça me permet de vous montrer un peu plus vite les choses. Et pendant ce temps-là, le temps passe, hein, en haut. Et on vient d'attendre la nuit. La nuit, les couloirs sont fermés et l'exploration de la prison est impossible. Tous les détenus sont enfermés dans le bloc des cellules pour la nuit. Alors si vous avez fait une affaire avec un de ces types, vous pouvez le trouver ici. Toi, 537, quelques cons se sont bastonnés dans le bloc des cellules et comme d'hab, il y a du sang partout. Ça leur servira de leçon. Apporte-moi les colliers de ces abrutis morts, qu'on puisse transférer leur conscience dans de nouveaux corps. Ça doit être un bain de sang et de tripes, mais leur châtiment est loin d'être terminé. La mort n'est pas une excuse. Maintenant, bouge, sac à mettre Cormac. Sympathique. Elle, c'est par exemple, c'est un niveau 1 dans la hiérarchie, donc elle accepte de nous parler, éventuellement on peut essayer de devenir pote avec elle. Là. Alors, le combat, c'était ici. Hop, on récupère un collier, objet de quête, ça prend pas de place dans notre inventaire. Ici, on peut lui acheter une merde du jour pour 3 balles supplémentaires. Et enfin, le troisième... Ah ok, on a nos 3 colliers. Ce serait bien qu'on trouve Kansas quelque part. Si on peut construire une planque secrète supplémentaire. Bon, on en a pas besoin de 36 000 pour commencer, je pense. Rien à ramasser, là. Là, la tour du directeur, ici. Ok, c'est pas tout de suite qu'on va y aller, je pense. Ah merde, elle est où cette conne? Dans sa cellule directement. Alors attendez. Qu'est-ce que tu veux toi? Tu rapprocheras pas de ta petite cellule douillette tant que le bordel en bas n'aura pas été réglé. Présente-toi aux gardes de l'étage inférieur. Ah oui, il faut que je rende ma quête, je suis con. Bien sûr. T'as pu récupérer les colliers des morts? L'un de ces colliers est cassé. Aucune chance de renaissance pour ce pauvre gars. L'une de ses ordures va rester crevée alors que les autres auront un avant-goût de la pitié du gardien. Ça devrait te servir de leçon. Cause pas de problème. Tu peux aller dans ta cellule maintenant. Parfait. Et donc là, il y a Kansas. Livraison de burger. Elle nous file pas de blé, mais elle nous aimera un peu mieux. Enfin, Vermisso, ça t'a pris longtemps, mais t'as géré, je t'en dois une. Donc là, du coup, maintenant, on est à 8 avec elle. Mais on est loin de faire quoi que ce soit. Faut atteindre 25, j'imagine, pour devenir complice. 50 pour soutien et 100 pour pote. C'est pas fait. On va aller faire un tour dans notre cellule. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut construire dedans.
Maintenant qu'on a suffisamment de ferraille, on peut réparer ça. Et on va pouvoir commencer à utiliser l'atelier. Donc l'atelier va pouvoir nous permettre de construire des armes diverses et variées. Par exemple là, un petit pont américain avec juste des nœuds. Un fouet, on va pouvoir faire une armure, mais il nous faut des pièces électriques. On peut faire un pied de biche très utile hein, pour faire diverses choses et notamment améliorer votre cellule. Couteau de lancer, corde, donc ça c'est des objets de combat qu'on pourrait éventuellement équiper là. Et on peut fabriquer de la champ patate fourrée pour avoir un petit truc à 10 de faim, sachant qu'un repas de base c'est 25. Histoire de manger un truc quoi. On va se faire un petit pied de biche. Avec notre petit pied de biche, donc il y a un objet de contrebande, on le voit, il est sur fond orange. On va pouvoir nettoyer un peu notre cellule. Donc, on l'utilise pour nettoyer, mais après, il faut encore construire. Hein. C'est pas si simple. Ici, on a une planque secrète qu'on pourrait construire pour deux merdes du jour. Il faudrait 5 poudres si on veut améliorer notre couchette. C'est pas tout de suite. Donc ici, on va pouvoir construire un atelier pour faire des choses pour nos rats. Et ici, je spoil, en dessous, on va pouvoir construire quelque chose pour qu'ils dorment. On va finir de cramer notre truc. Voilà, là on peut mettre nos rats qui sont blessés. Et ils vont se soigner de 10 pendant qu'on dort, quoi, par jour. Mais on peut mettre des objets pour éventuellement les soigner plus, mais j'en ai pas trouvé encore. Et ici, on va construire la planque secrète, allons-y. Comme ça, on va pouvoir y mettre notre pied de biche. En attendant de pouvoir éventuellement le réparer. Et après, il faudrait qu'on dorme et faire le jour 2, améliorer nos relations, manger un morceau, gérer notre espoir, etc. Mais la découverte va s'arrêter là. Je vous ai montré un petit peu le gameplay de la chose. J'espère que ça vous a plu. Le jeu, je trouve, est franchement très sympa. Et il y a une bonne durabilité, hein, mine de rien. Avec toutes les choses qu'il y a à faire, les quêtes à faire, les gens à aller draguer, etc. Monter dans les hiérarchies, recruter du monde et compagnie. C'est franchement sympathique, je trouve ça assez sympa. Donc vraiment un très bon jeu. Je vous le recommande, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.